Et salut à toi YouTube pour cette COTD. Et nous connaissons la map parce qu'on l'a eu en map review. On l'a joué 5 minutes, donc j'ai pas un learning de fou. La map a leak à 18h pendant une dizaine de minutes. Et du coup, il y a quelques personnes qui l'ont hunt. Donc si on voit par exemple AR down dans les WR très très rapidement, c'est tout à fait normal. Ne paniquez pas. C'est pas qu'il fasse learn, c'est qu'il connaît, mais bref. Je suis pas dans la même situation parce que je l'ai pas hunt 40 minutes. Mais ouais. C'est comme ça. Hein. Du coup, faut que je me remette un petit peu la map. J'ai fait. Je sais plus, je vais sûrement PB très rapidement. J'avais pas fait un temps de fou. Je l'avais beaucoup camset la map parce qu'elle était très jolie. Ok. Ça donne quoi les temps? Bon, purple. Ah, j'ai checké un peu les temps qui ont. Les gens qui ont joué la map en avance. J'ai fait un peu. Comment on pourrait appeler ça? Ma mémé au balcon qui check le quartier? Non, je sais pas si c'est une bonne ref, mais. Enfin, une bonne. L'inspecteur. J'ai fait la fouine. Mais non, moi, je me demande qui. Quand ils connaissent la TOTD, qui va hunt? C'est pas vraiment commère parce que je vais pas, genre. Dire à gauche, à droite. Enfin, j'ai l'impression que commère, c'est un peu. Tu vas dire à gauche, à droite. Hé, t'as vu, lui. Là, moi, je constate. C'est du constat, c'est pas. Je m'amuse pas à aller dire. Enfin, bref. T'as l'idée. Il n'y a pas d'un dans le top 10. Bah, peut-être qu'il est juste, il était pas dispo à 19h. Il s'est dit, bon, bah. Je vais hunt la map. Petite question, l'historique de la COTD il y a quelques jours, ça a été trouvé. Oui, t'as la réponse dans les commentaires de ma vidéo YouTube, si ça t'intéresse. Quelqu'un a mis. Alors, il a fait un alerte spoil, il a fait ça très bien. Il a expliqué pour ceux qui voudraient l'easter egg, il faut faire ça, machin. Respawn, non, aller à un endroit, je sais pas quoi. J'ai pas checké en réalité. J'ai vu le commentaire, mais j'ai pas été chercher l'easter egg. Et merci Kikamisala pour les 100 bits. Très gentil de ta part. Bon, du coup, faut quand même que je trouve les trash pour aller vite. La map d'hier, c'est déjà quoi? Ah oui, juste la dirt là. Attends, j'ai envie d'aller voir. Mais je suis toujours là, moi. J'étais pas sur la bonne scène depuis tout à l'heure. La map de hier. C'est du point zéro, mais personne l'a hunt, les gars. Personne l'a hunt, sérieux? Bon, c'est down, n'est pas en PB, il a un point 2. Point 2, je crois. Oh, y'a Kuhn sur mon serveur. The real thing. C'est ce que je disais. Ah,
Ah, parce que juste après avoir mis la proc, j'ai été vite fait, j'ai ouvert Twitter et j'ai vu le tweet de la COTD, enfin de la map TOTD à 18h, programmé pour 18h. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? J'ai envoyé un message à Tena. Il a dit, ah oui, j'ai loupé ma prog. Et il a supprimé après. Ça arrive. Ok, j'ose juste pas tryhard le dernier drift parce qu'il est un peu blind. Et merci Tom pour le sub offert à The Real Psych. Ça fait très plaisir. Après, pas de bashing, hein. En fait, les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie. C'est genre. Ils utilisent toutes les. Enfin, je sais pas comment expliquer. Fait ce qu'il veut. C'est pas bien ou pas bien. Saluant, bonne COTD à toi. Visage juste... souriant. Il a raison, alors je dirais pas qu'il a raison, mais. Disons qu'il se dit, ah, mais les autres vont le faire, pourquoi je le ferais pas? Souvent, c'est le raisonnement des gens. Hello, mais je connais cette map là. Tout à fait, on l'a joué 5 minutes en map review. Très jolie map. Qui utilise notamment, bah, je l'avais expliqué pendant ma preview, mais cette map qui utilise l'item set de Yorsh, Insane Item Set, donc qui contient ses maisons très sympathiques. Et notamment, on avait fait du coup le projet communautaire avec TMA, donc Trackmania Mappers Assembly. On avait fait un projet, on était une dizaine à avoir fait une map The Village. J'en ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse. Je vais tenter de grid le dernier drift. C'est ce truc là, on le voit qu'au dernier moment. Après on peut passer là aussi, mais j'ai pas l'impression que ça fasse gagner grand chose. Alors Nice. Ouais, Nice il est pote avec The Real Psych, donc je pense que la map avait été donnée, mais bon ça. En fait Nice c'est pas dérangeant parce qu'il est. Il est bon au jeu, mais il gagne pas de COTD, quoi. Alors que Down, c'est la deuxième personne à avoir le plus de wins en COTD. En comptant les reruns. Donc les COTD à 3h du matin et 11h. C'est blind. En fait, tu drift et tu pries. Là, typiquement, je pouvais pas savoir que j'allais taper. Et j'ai grid en frôlant, c'était pas mal. Map de The Village COTD. Alors c'est pas une map... c'est pas une map de The Village. C'est pas une map de la campagne The Village, mais c'est une map qui a utilisé l'item set de The Village. Ah, je grid. Ouais, excellent item set. Il est incroyable.
quand il m'a donné ça pour faire une map, il m'a quand même dit ah, faut pas utiliser pour d'autres maps pour l'instant, faut attendre que ce soit, que l'item set soit out. Genre, oh. Sérieux? Ah, en vrai, totalement normal. Il gardait l'exclu. Ouais, le set est agréable à utiliser totalement. Genre tous les blocs, c'est des briques quoi, genre tout s'emboîte, tout va bien ensemble. Ça me gratte. Je sais pas ce que c'est. J'avais un moustique qui venait sur mon bras, il se barre et revenait. Oh, ça c'est une bonne trage. Non, j'ai moins de speed, j'ai moins de speed. Ok. En gros, je suis sorti tellement exter avec la transi différente que j'ai pris sur le jump. C'est mondial la sautée, totalement, ouais. Complètement mondial. Après, les serveurs sont européens, mais donc des Australiens ou des Brésiliens qui peuvent totalement jouer, ou des Américains. C'est juste que si t'affiches les voitures, ce sera un peu moins fluide que ce que j'ai là, par exemple. Salut, Who's Nate. Bon, allez, un petit... Ah, je peux faire 0.3 avec mon start, là. Enfin, mon start et mon mid. 0.3. Genre même run et je fais une meilleure fin. Ah, j'ai tenté de conserver plus de speed. Dommage. Ah bah let's go, bienvenue. Bienvenue sur Twitch. On est en pleine COTD. J'essaye, c'est mon seul moyen. Ok, last try. Je me demande si ça peut pas être rentable de sortir externe. Ah, quoique, on n'a pas la trage d'après. Ça marche, Saïk.
Bon, un petit top 16. La prédit qui passe. Mais c'était large top 32, j'ai eu la map en ma preview quand même. Ah, Kebi a fait un point 24 aussi. Toxic. En tout cas, encore une fois, c'est vrai que très très belle maintenant. Il y a rien de répétitif, c'est... Il y a un réacteur. Moi j'aime bien. T'as fait le layout? D'ailleurs. C'est toi qui as fait? Non mais je pense que t'as pris des... Comment t'as fait ça? J'ai tout fait. Mais t'as pris... T'as pris... Putain. Ça, c'est les montagnes de Nightwolf, non? Ça, c'est les montagnes de Nightwolf. Nightwolf. Je suis taré. Je pense que ça peut être plus facile de passer à gauche du poteau dans la descente du réacteur ou pas? La descente du réacteur. Donc réacteur. La descente. Ah là. Ah j'ai pas testé. Je sais pas si on peut prendre la trage. À gauche du coup. Ah mais t'as le airtime. Non. Même si tu pré-shot, je pense pas. Tu sortirais trop externe, tu taperais ça à mon avis. Parce que tu serais comme ça et t'arriverais là. Tu sais ce que je veux dire? La prédit. Il y a une prédit en cours, effectivement. Il y a une prédit top 32 du seed 1. Vous avez encore 2 minutes 30 pour voter. Moi, honnêtement, plutôt confiant sur le top 32. Par exemple, les tours de château, c'est un item à la base destiné avec un mod. J'ai modifié dans le mesh. Ok. C'est très bien, Alexis. Je pense... Ok, je le dis déjà. Quand down et out... Je pense que je vais demander was the training worth? Mais en HFA, je veux pas être un enclé. Non, je... Tout le monde ne doit pas suivre mes idéologies. Et du coup, pourquoi je devrais faire chier un mec? Mais en même temps, un petit pic. Rajoute un capa. Si le top 1 ça marche pas.
Si, ça marche aussi, je pense. Please no bashing. Mais non. Non, alors là, ce serait entre lui et moi. Et Tommy, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Discord. Je t'enverrai le mot de passe après. Hey, are down. The fastest man in town. Bah ça, c'est le truc de Hello Mark. Est-ce que je pourrais utiliser ça pour... Ah, c'est une bonne idée. Mais pas tout le monde à la ref, mais... Est-ce qu'il a la ref, c'est une autre question. Bien sûr qu'il l'a. Il est souvent sur le stream de Marc. Je demande no DNF down. Je suis un chien. Je suis obligé de réagir au dernier moment là-dessus, c'est un peu chiant. Les tours, elles proviennent de l'item set médiéval. Bah, je dois souvent rattraper parce que je sors toujours trop extérieur. Je vais prendre plus inter. De toute façon, ils sont à 9, 6 secondes, etc. Ice Castle. Jerry Size a changé la texture. Ok, merci. Ils sont rares les items qu'on peut mesh. Voilà, c'est The Real Psych. À chaque fin de round, c'est écrit en haut à gauche, si jamais. Ah bah, Purple.
Ah, 2 secondes, je suis là. Attends, des vieux items comme ça qui sont bien à mèche malgré. Ouais. Et salut Wowit, merci pour le 34e mois. Merci d'être toujours là. Ah, la map est trop bien. Elle va tellement bien avec l'ancienne item set de Yorsh. Vraiment trop trop stylé. Ça se gère, bébé. Bébé en point 47. C'est gentil. Allez, le top 32, encore 2 rounds. Oh, acid out. I land bugged on the roof, nice game. C'est pas la faute du jeu. C'est pas la faute du jeu, le land bug sur le toit. Quoique. Ah, les roues sont pas censées clipper à travers, mais... Ouais, ok, nice game. Ok. Mais disons que c'est évitable par les mappeurs. Ou par les créateurs d'items plutôt. Parce qu'effectivement on raterrit pile sur la transi. J'invoque le landbug. Ah, le magicien qui a tenté. Pourtant, honnêtement, j'étais pas loin de landbug. Ah, j'ai pas le temps de montrer, mais... Sur cette transi-là, si nos roues, elles raterrissent, une de nos 4 roues raterrissent pile sur la transi,
Bah on a un risque qu'elle clip à travers le bloc. Et que du coup on chope un slowdown. Ah je le vois autrement ce landing maintenant. En fait, sur n'importe quel custom que tu mets l'un à côté de l'autre, tu peux landbug. Bon, j'ai pas le temps d'aller montrer. En fait, on landbug pas sur la route parce que ça se clip et du coup ça supprime le bloc à l'intérieur. Je sais pas si c'est très clair. Quand tu mets deux customs l'un à côté de l'autre, et ben là, il n'y a pas la liaison entre les deux blocs. Et du coup ça bug quoi. C'est rare mais Oh down. Non, je dis pas. Je suis pas lâche. Keep on practicing. On pourrait faire une massa. Oh Pika, il l'a sorti. Pika mon sauveur. Président. Fastest man in the market. Ah, il y va, il y remet un coup là. Déjà mappé la Sportix, ouais. Je la mappe toujours la veille. Ah, je vais pas la mapper entre 19h50 et 20h, quoi. Dans l'idée. Dix minutes, c'est un peu chaud. La prédit, c'était prédit top 16. Bon là vous pouvez aller top 10, je suis safe. Hein. Même top 5. Un peu externe sur la fin.
Non mais je préfère faire ça maintenant, comme ça la prédit peut être annulée si vous voulez. C'est faut compréhensif. Alors Monty il connaissait la map, il avait le WR avant que la map soit leak, mais donc c'est pas sa faute quoi, genre. Il l'a joué il y a 8 jours. J'avais annoncé top 10 dès le début des rounds. Eh bah t'as eu faux, c'est pas grave. Oh mais il y a tellement de chocs maintenant. Ça m'a annulé, j'avais tout misé sur oui. La prédit a été annulée parce qu'on pouvait voter pendant que pendant le round où j'ai été out. J'étais le seul à avoir 30 FPS en round. Oh Darker. Moi j'ai pas eu de soucis d'FPS. J'ai pas suivi, la map avait été leak. Avait leak, ouais. En fait, Trackmania, le compte Twitter Trackmania a posté la map à 18h au lieu de 19. Le tweet a été supprimé au bout de 10 minutes, mais les gens ont quand même eu le temps. Darkerin d'ailleurs. Et down à hard try la map. Effectivement. Ceci explique pourquoi des gens avaient joué pile 10 minutes avant. Oui. Après, c'est pas parce que je l'ai joué en map review qu'elle a leak. Oh mon petit. Moi je dis soit... Ah, attendez. Ouais, Barbos. Barbos ou Binks. Non, on fait une prédit Barbos ou Binks. Et le reste, on dit qu'il n'y a pas d'autre winner que ça. Après, est-ce qu'on fait 1v1 et genre le meilleur entre Binks et Barbos, il remporte les points, ou c'est seulement s'il win. Voilà, seulement s'il win. Si ni Barbos ni Binks gagnent, on rembourse la prédit. On annule. Bon, on fait quoi après dit Bing Swin du coup? Allez, 30 secondes pour voter. Bing Swin, oui, non. Je venais de l'in sur Barbos. Eh bah t'as bien fait. Ah, en fait, je suis obligé d'annuler, les gars, parce que les gens qui attendent le dernier moment pour voter, eh bah ils avaient la réponse. J'y peux rien hein, si on annule, mais.
Ah, Bing, c'est clairement devant. Si Ziggy... qui est out. Size guy. Laissez-moi sortir. Je crois que le Gary en a marre. Il est enfermé dans la COTD. Oh. Granaki à clip. Il va full grid, est-ce que ça va suffire? S'il y a un coup de release devant, peut-être. Ça tente l'exter, ok, pas mal, mais ça suffira pas. Il a remonté .2 sur Darker avec son grid de fin. Et Lucario, Lucario, il en a marre. Bon, là, ça a l'air d'être game hein, pour Binks, non? Et voilà, t'es out. Il peut encore plus simple, il peut DNF. Attendez, parce qu'on a un problème majeur. Oh, il prend bien la diag, il aura plus de speed en sortie de roue libre. Il remonte sur Lucario et Darker. Darker. Non, Lucario qui prend la dernière place. Ou bien Exter. Peut-être plus de speed que Murray. Non, il a release pour pas se prendre le poteau. Darker, non. GR. Je peux pas le dire, mais j'ai. Voilà. Lucario. Oh, oh Binks. Et merci Verixo pour le sixième mois. Ouf. Ah ouais. Ah, je suis presque pour Darker du coup. J'aurais pas pu fail avant mon rêve. Lucario, il est pas décidé. Hein. Il dit laissez-moi partir, et puis après, il est pas content quand il est sorti. Il y avait une safe way au fail de Murray. Il y avait un double respawn, ouais. Ok, 1v1. Binks contre Darker. Le karma va-t-il frapper? Meilleur trash de Binks, il aura plus de speed sur le réacteur. C'est encore close, la roulie va décider. Ça tourne moins du côté de Binks, ça va sortir avec plus de speed. Ça va être dur de remonter sur le dernier drift. Il prend très intérieur, pas forcément la bonne trash de Darker. Trop inter, pardon. Et ce sera terminé. Je vais pas dire GG. Non, il a BM, il a BM. Voyons voir le WR. On dit pas GG à une win de site 2, c'est quoi ça? Bon allez, 6K en 104. Ok, bonne trave. Pas grand chose à dire. Ah, il y a mieux à faire sur la roue libre, hein, très clairement, parce qu'il sort. Il setup pas très bien sa roue libre. Du coup, il sort avec un peu moins de vitesse que ce qu'on pourrait. Ouh, la fin est propre. Ok, ça descend en 38.9 demain.
Même point 8. Ah, point 8. Ah, je le dis, point 8. 38.8. Ah, du G vendu. Non, mais personne a hunt, Monkey, t'as pris. On a choisi le pire jour. Personne a joué. À part toi. Non, je suis pas d'accord. Et des bisous, YouTube. On se revoit très bientôt. Pense à t'abonner et liker. Au revoir.